Le premier a échangé avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Alphonse Siafoumou, président de la Fédération congolaise des luttes associées. Ce dernier, accompagné de son bureau, a présenté au ministre Hugues Ngoué-Londélé la moisson obtenue courant l'année 2013-2017, notamment les 19 médailles glanées par sa fédération, avant de projeter les perspectives de la nouvelle saison sportive 2017-2018. Depuis 2010, cette fédération s'est révélée avec deux médailles. Une médaille de bronze aux Jeux africains de la jeunesse au Maroc à Rabat et une médaille d'or aux premiers Jeux olympiques de la jeunesse à Singapour. Et en 2012, quatre médailles de bronze au Cannes de Madagascar. 2017, cinq médailles dont deux or, trois bronzes au tournoi de la zone 4 d'Afrique centrale en RDC. D'où un total de 14 médailles pour l'Olympiade de 2013 et 2016. Bernice Dubé, président de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense, a quant à lui fait part au ministre des préoccupations de sa fédération basée, entre autres, sur la formation, la liquidation des dettes. Le premier point, c'est le problème de l'accompagnement pour des activités internationales, notamment le championnat d'Afrique, le championnat du monde et le championnat de la zone 4. La fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense n'a pas de siège. Nous avons du mal à faire des réunions. Un problème de dette pour l'organisation du championnat d'Afrique de zone 4 qui a eu lieu récemment en septembre 2017, du 24 au 23. Après l'audition des deux présidents des fédérations, le ministre a félicité la Fédération congolaise de lutte associée pour le travail abattu. Il a par ailleurs réitéré son engagement à travailler en parfaite collaboration avec les différentes fédérations sportives nationales. C'est à la fédération de faire une évaluation et nous rencontrer, dire bon ben voilà, le cas est précis, il est là, nous pour partir à cette compétition, nous avons les athlètes en forme et ça nous coûterait tant. Et à ce moment, nous, on voit dans nos capacités ce qu'on pourrait faire pour vous. Pour le siège, on va certainement trouver une solution pour vous.